C'est un outil pédagogique à destination d'un public, je pense, varié, peut-être un public de professionnels de santé qui ne sont pas au fait de ce qui se développe en matière de recherche en utilisant Simu Santé comme levier. Donc c'est un bel outil, je pense, pour atteindre cet objectif, mais également l'objectif de tout ce qui est étudiant en santé, quel que soit le niveau, puisque les étudiants d'aujourd'hui seront les professionnels de demain, avec de nouvelles pratiques, de nouveaux métiers. Et donc, je pense que la Web TV peut être effectivement un très bon relais entre la recherche, les professionnels de santé et les apprenants. Très sincèrement, on en veut plus. Les étudiants en veulent plus. Les étudiants ont vraiment, vraiment été emballés par ce type d'accompagnement dans leur formation. On peut imaginer dans une Web TV, ça peut être aussi des... Ça peut être des interviews comme ceci, ça peut être des messages à faire passer, mais ça peut être aussi des capsules de formation, vidéos de formation, qui peuvent être mis en place et accessibles pour les étudiants, par les étudiants. Donc je suis maintenant très intéressé de voir comment vous allez développer cette Web TV et ce qu'on pourra en faire et comment les étudiants pourront en profiter. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Bon, moi, c'est, si vous laissez... quelque chose de très innovant pour moi, parce que je ne suis pas de la génération des web TV, mais je me rends compte que tous ceux autour de moi, plus jeunes que moi, sont totalement adeptes de cet outil. Donc c'est tout ce qui fera connaître Simu Santé au service de l'homme. Hein. Enfin, moi, je suis foncièrement un humaniste et il me semble que l'humanisme s'incarne dans ce projet. Je pense que c'est une très bonne idée parce que, encore une fois, je pense que c'est une structure de référence, que les étudiants qui vont pouvoir en profiter ont une chance immense et que c'est pour eux un gage et une garantie de qualité dans leur formation et c'est un atout d'attractivité pour leur métier futur. Donc je pense qu'un outil comme celui-là doit permettre de faire savoir ce que permet Simu Santé.